ちびっこを打ちに行くのは？うるさい。Est-ce que elle parle de Ren, Ren-chan, quand elle parle du nabo? Je ne sais pas. Bon, on va où maintenant? On peut aller là-bas ou là? On vient d'où? Attendez, on peut aller là-bas, mais genre la carte. La carte, on voit pas. C'est peut-être un téléporteur là-bas. Il y a un des deux endroits, ça doit être pour du loot. Et je pense qu'ici, ça doit être le loot, puisque c'est le plus caché. Enfin, le moins évident. Allez, le loot. Yeah, nice. Il n'y a que ça. Allez, donne-moi des bons trucs. Et on a eu une casquette de chasse. Ah, ça doit être la casquette de Shirley. Pour qu'on puisse lui ressembler. En tout cas, j'ai une tenue assez drôle. J'ai une tenue assez drôle. Allez. C'est bon, de nouveaux ennemis. Il y a un truc, j'entends un bruit. Je ne tue un bruit. Toi là. Oh, l'automate explosif. Dégagez-le. Voilà. Éloignez-vous. Ça mène à quelque chose quand même ici. Mais. Oh oh. Oh. Allez, montez les gars. Oh. Ok. Je pense qu'il ne voulait pas de moi. Laisse-moi venir. Laisse-moi venir. Hop. Laisse-moi y aller. Voilà. Voilà, je serai plus à l'aise ici. Qui? Kuria est à terre? Comment? Comment ça? Comment ça? Comment elle est morte? Bon, par contre, on fait... Je sais pas si on... au niveau du DPS, on est un petit peu moins bien. Avec les fusils d'assaut. Ok. Ensuite, toi, là. Hop, 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 hop. Oh, mais encore un autre... Je ne sais pas comment la zone était vide. Ok, il saute. Très bien. Donc on avait laissé Kuria toute seule et du coup elle est morte à un moment. Voilà. Comment ça, enfin, si c'est mort? Mais comment ça se fait que vous arrivez à mourir face à des ennemis comme ça? 96, je veux bien... Bon, ok, ils sont au niveau, mais... Genre... c'est pas très difficile, quoi. Calmez-vous. Regardons encore la carte. Je suis sûr que... Ici, ça doit être les loot. L'endroit où il y a les loot. Bon, hop. Grenado, grenado, grenado. Allez, hop. Ah non, c'est vrai que les SMG, je les ai gardés en arme secondaire. Si jamais je veux changer. Oh. Ça, on a pris cher. Forme offensive. Comme ça, on va lui faire masse, dégâts. KO. Nous récupérons un petit peu de vie, si jamais ça sert à quelque chose. Oh, ça a une tête de suite. De suite du donjon, ça. Oh là là, c'est un vrai labyrinthe. Maintenant, on peut monter ici. Voilà. Un coffre de munitions, on va collecter. Un coffre... Attendez. Ah, c'est là d'où on vient, là-bas. On va collecter ça. Puce géante. Okay. Je ne sais pas à quoi ça pourrait nous servir, mais bon. Alors, bon, on va continuer par là, hein. Faut bien qu'on avance quelque part. On va changer d'arme. On va prendre nos AR pour aller pour tirer aussi loin. Rechargeons. Hop. Oh d'accord. Des mines partout. Oui. Oh. D'accord. attendez, il y a un ennemi qui devrait être pas loin. On va détruire ça d'abord. Je crois que mes fusils d'assaut sont super efficaces parce que. Au gros canon comme ça. C'est bon, c'est mort. Oh, oh. Voilà. Ensuite, il reste lui. Hop, ça c'est bon. Capteur de nouveau type. Avançons là-bas. Oh, oh. Des mines encore. Bon, c'est mes alliés qui vont prendre les mines. Hein. Ça, c'est pas grave. Une mine là. Et oui, je l'avais anticipé. Par contre, attends. Forme rapide, non. Forme offensive. Voilà, comme ça, on va faire masse, dégâts. 1700, 600 qui passe bien. Ciao. Par contre, il y a masse mine, là. Est-ce que ça... Non, on est obligé de passer dessus. C'est vrai que j'ai jamais testé les mines. Si on tapait dessus...
Attendez, attendez. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était bloqué. Bon, il y a une mine, à mon avis, c'est une mine de téléportation, ça. Vu la gueule de l'endroit, ou le géant du désert. Oh! Une réplique de machin. Et on n'est pas dans une... C'est pas super cool comme, comme combat, là, que vous me proposez. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, allez, faut s'occuper d'abord de un. Lui, il est déjà dans le mal, là. Allez, allez, encore un petit peu. C'est bon, il est KO. Allez, géant du désert. Le gang du désert, je veux dire. Hop, forme défensive. Je vais prendre sur le Kiwi, d'ailleurs. Oh, il a fait un dash. Grenada! Grenada! Et Grenada! Allez, pas le gang du désert. On va d'abord focus le gros robot, c'est plus facile à détruire. Voilà, 900. Passons par là. Oula, enfin ouais, il faisait un petit peu dans le mal là. J'avais pas fait gaffe à ça. Et ici toi. Focus-toi sur moi, tant que Alpha Waves se heal. Oh, oh. C'est Courir qui s'est heal. Hop 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 hop. Oh, oh, oh. Oula, 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 oula. Passons ici. Ok. C'est bon, j'arrive pas à passer derrière. Il y a eu des effets spéciaux sur moi là. Allez, encore un petit peu. Ça va, elles sont presque full life les deux. Allez, continuez. Continuez. Hop 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 hop. Où est-ce qu'il tire un laser? C'est pas la bonne nouvelle. Oh, oh. Alpha 6 qui a pris cher aussi. Oh, lolo, réanimé. Personne, personne n'est là, non. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Trousse de premier secours. Courez à terre. Hop. Non. Alpha 6 est à terre. Elles sont toutes les deux à terre. D'ailleurs, full bullshit que je fais, moi. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça, je peux aller les heal. Hop, heal. Réanimé. Ça va, il me laisse, il me laisse la réanimer. Hop, et grenade. Grenade flash, comme ça tu... Non. Hop. Réanimé. Allez, Alpha Waves va réanimer Courir. Ok. Elle a pris cher, je pense. Encore une fois. Non. Non. Je prends les dégâts. Allons-y petit à petit. Hein. Allez, Courir. Lui, il est reparti là-bas. Allez, Alpha Waves aussi. Ils se sont bloqués, ils se sont bloqués, ils ne font rien. Ils ont bugué. Ils se sont dit, bon, on va se remettre au tout début. Ah, oh, mais arrête avec ça, là. Allez, tuons-le, et déjà, lui. Tuons-le. Oh là là, mais c'est infâme. Meurs. Infâme. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, meurs. Il y a encore un tout petit peu, j'imagine, là. Il n'y a presque plus rien. C'est bon, il est KO. Allez, on peut se focus sur l'autre. Allez. C'est bon, on est un peu plus safe, les potes. D'ailleurs, faudrait que je me remette des effets, puisque... C'était pas l'idéal pour moi, là. Sur le qui-vive, encore une fois. Allez, on va heal Alpha Waves. D'ailleurs, j'ai ma rapidité niveau 2. Je l'avais pas au début de l'épisode. Je me suis rendu compte que je pouvais l'avoir. Je vais améliorer mon agilité, hein. Et aussi que j'avais atteint un certain niveau de la compétence. Hop. Une certaine maîtrise. Je crois que c'est la maîtrise qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle. Heal me, please. Nice. Continuons. Non. Ok, rechargeons. Hop. Une flash. Allez, la flash. La flash fait quelque chose, je ne sais pas. Réanimer. Est-ce que je réanime les deux? Non, absolument pas. Ok. Il est quand même sympa, ce boss. Il nous laisse nous heal. Il repart à son endroit de normal. De spawn. Donc, bon.
C'est peut-être parce que je suis en mode normal, voilà, il est un petit peu sympa, il se dit oh ben, c'est un noob, il est pas très fort, mettons lui il est patate. Franchement, allez, changeons d'arme. Vas-y, si je prends ça, j'ai plus de force, j'ai plus de défense. Allez, là cette fois-ci on lui fait vraiment mal. Oh non, c'est... ça avance correctement. Hop 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 hop. Non, non, non. Je me tire pas dessus. Moi, tu... moi personne me tire dessus. Moi, genre celui qui me tire dessus, il meurt après. Je jure, je jure. Je ne sais plus qui est... je ne sais pas quel personnage d'animé a déjà a ce pouvoir. Genre si on le touche, c'est celui qui a attaqué qui prend les dégâts. Nice. Matériaux EM de type FL, ça c'est bien, ça c'est pour agrandir notre maison, c'est très utile. Et on a un fusil d'assaut épique. Enfin légendaire, non ouais, légendaire c'est l'air, épique. Bon, allez. Bon c'est un petit peu hardcore quand même comme donjon là, c'est vrai que c'est très difficile. ここにいたのか。あれ?レイちゃんが2人?くれ、敵襲なのです。違うわよ、レイちゃん。この2人は本物だってば。もう追いつかれちゃったんですね。なあ、俺たちを置いていったのは多分心配してくれたからだろう。ごめん。で、その星は?こんにちは、キリとアスナ。私の名前はディエブルなのです。 もしかして私たちに隠し団長の情報をくれたのはレイちゃんじゃなくてあなただったの?はい、お役に立てて何よりでした。シノンの言ってた相手も多分ディエーブルのことだよね。初対面みたいにご挨拶の握手なのですとか言い出すからおかしいなとは思ったけどさ。握手はご挨拶の基本なのです。レイちゃんには 本当にそっくりさんがいたってことで謎は解けたのかな。偶然?どうだろう。何かあるんじゃないのか。私にはよくわかりません。でも私がレイちゃんさんにそっくりなせいか皆さん、とっても親切でした。ところでキリトさんはやっぱり偽物を追いかけてきたんですよね。いや、それもあるけど、あの後新しい情報が入って シノノンの偽物まで出現しているらしくって。でシノン?ウィ!ナイス!え?もし自分の偽物が現れたらって話をしてた時、シノノンすごく嫌がってたでしょ?だから急いで倒さなきゃって思って、それで調べに来たの。で、偽物の出現法則についてなんだけどさ、俺やアスナだけじゃなくてシノンの偽物まで出現したとなると、どうやら プレイヤー歴に長さと偽物の出現法則は関係ないんじゃないかと思うんだ。関係ないとまでは言い切れないですけど、でも確かに何かピースが足りない気がしますね。パパ、パパ、気になる情報が入りました。ゆい、シノンのコピーが見つかったのか?まだ確定ではありませんが、NBアオシスの新しい情報が出ています。女性スナイパーとおそみで性別不明なプレイヤー、2人組のNBアオシスが出現しているそうです。なんか印象だけ聞くと、さっきのシャーリーさんとクラレンスさんを思い出すわね。元となっているプレイヤーの情報も来ました。あ、そうです。クレアさんが言った、シャーリーさんとクラレンスさんがコピー元のプレイヤーである可能性が高いそうです。 なんか印象だけ聞くと、さっきのシャーリーさんとクラレンスさんがコピー元のプレイヤーである可能性が高いそうです。なんか印象だけ聞くと、さっきのシャーリーさんとクラレンスさんがコピー元のプレイヤーである可能性が高いそうです。なんか印象だけ聞くと、さっきのシャーリーさんとクラレンスさんがコピー元のプレイヤーである可能性が高いそうです。何かのイベントが本格的に始まったってことか。 やっぱり告知がないのは気になるけど。これだけ数が増えちゃうと、キリトさんたちやシノンの偽物を追いかけるのも大変ですね。そこで私の出番なのです。<笑> エネミーアファシスについて
Enfin, Wipes, tu peux les repérer, c'est peut-être une aptitude spéciale d'Air Phase 6. Tu peux les repérer? わたしはとびっきり優秀なので特殊な情報網を持っているのです。特殊な情報も？情報収集に特化した機能があるってことか。秘密です。でもSBCフリューゲルのアファシスはとっても優秀ですからね。SBCフリューゲル。ああ、ゼリスカさんが言ってた設定の話ね。 フリューゲルはすごいのですよ。アファシスだけじゃないのです。グロッケンのノーコンバットゾーンの技術も、もともとはフリューゲルが作ったものなのです。ゆい、ノーコンバットゾーンって何だ？SBCグロッケンの中で戦闘が行わないように都市を中心に展開されている技術のことです。なるほど。アンチクリミナルコード有効圏内の GGO 版ってことか。 実際にノーコンバットゾーンを展開している何かがゲーム内に設置されているってことだね。そうなります。どうやら世界観に基とづいてノーコンバットゾーンを展開している装置が各地に設置されているみたいですね。へえ、アファシスの圏内もフリューゲルさんか。フリューゲルってすごいな。 場所をお送りしますね。ああ、本当に座標まで。ありがと、リエーブルちゃん。キリト君、早速行ってみよう。シノノンのエネミーアファシスが他の人に見られちゃう前に倒さないと。私たちはどうしようか。逃がした偽物のキリトさんのことも気になるし。キリトのふりをしたエネミーアファシスについても。ちょ、本当？じゃあキリトさんの偽物とシノンの偽物と。 今の、自分の偽物にも興味はあるけど、でも今はシノンの偽物討伐を優先したいかな。じゃあ私たちも。あ、待ってください。キリトの偽物を追いかけるなら今がチャンスですよ。どうやらキリトのエネミーアファシスは貢献が使えない状態みたいですので。え、あ、そういえばさっきの戦闘でぶっ壊してやったのです。 ごめんなさい、キリトさん、アスナ。シノンのことも大事だけど、私には二人も同じ大事な仲間なの。二人にGGOで嫌な思いをしてほしくないから。だから、私はキリトさんやアスナの偽物の方に向かいます。私たちのことも心配してくれてたんだよね。ありがとう、クレア。うん、ありがとな、クレア。こっちはなんとかなるさ。2対1だしな。 クレハは仲間思いなのですね。私、とっても感動しました。さあ、善は急げなのです。キリトの偽物の方は座標が不正確なので、私が近くまでご案内しますね。クレハ、どうしました？ううん、なんでもないよ。大丈夫、ただ、またさっきみたいに取り逃しちゃうのは嫌だなって思って。 Ok, alors, reprenons. Bon, alors cette porte est bloquée, nous avons un téléporteur ici, atteindre le cœur de la zone. Attendez, attendez, attendez. Hop, forme défensive, forme offensive, forme rapide, et sur le qui-vive. Bon, alors aller dans la salle du boss, oui. Allons affronter Kirito. Par contre, il n'y avait pas de point de téléportation juste avant. J'ai pas fait gaffe, c'est survie, il y en avait un dans la salle.
Alors, ah bah tiens, il y a un point de téléportation ici, c'est parfait. La salle est très stylée. La salle est très très stylée. Un téléporteur là, mais il y a deux téléporteurs. Bon, ça a l'air bloqué ça, non? Examinez. Le téléporteur menant à la salle centrale est verrouillé. Vous aurez besoin de 5 codes distincts cachés au milieu des sablons solitaires. L'un d'eux a été détecté près de l'oasis, mais l'emplacement des autres reste inconnu. Ok. Et donc on se retrouve donc. Alors pour les codes, en fait, il y en a deux qui sont autour de l'oasis. Donc le code eau, le code bois. Bon, il faut faire un petit peu le tour puisque je les ai déjà récoltés ceux-là. Notamment, bah d'ailleurs je sais même pas, je crois qu'ils font disparaître les coffres après. Puisqu'il me semblait qu'il y avait un coffre par exemple ici, ça devait être le code O. Et il devait y avoir le code bois qui était dans un coffre qui était là-bas. Et sauf que je m'en étais pas rendu compte. Et donc du coup les trois autres vont être éparpillés sur la map. Donc on va voir ça tout de suite, on va faire des ellipses pour arriver aux endroits où il y a les codes. Donc voilà, code téléporteur feu, c'est dans ce coffre-là. Si on regarde la carte, enlevons ça. Donc, les deux premiers que je vous ai montrés étaient autour de l'oasis. Donc, il doit y en avoir un par là, par là. Bon, regardez autour. Et du coup, on a le code feu au phare. Du coup, concernant le code téléporteur terre, il est juste ici, à côté du nid de verre. Et du coup, le dernier code téléporteur, le métal, qui est ici. J'espère que je ne vais pas me faire viser par un ennemi. Donc voilà, tout est là, les 5. Et bah du coup, on peut repartir du coup sur pour le boss. Donc voilà, maintenant qu'on a les 5, les 5 codes, et bah c'est ouvert. Et nous allons pouvoir nous téléporter. Du coup, on va nous mettre nos buffs après. Oh, cinématique. Les fameux boss qu'on a vu dans les trailers. Allez, d'ailleurs à l'avenir je ferai de l'analyse de trailer sur, en tout cas sur pour le troisième DLC. Allez, ils sont tous les deux niveau 100, on va les défoncer, je vous jure. Hop hop hop, heureusement que j'avais sur le qui-vive. Le rouge a l'air d'être le plus vénère, donc on va aller le focus. Wow, en effet, il est assez vénère. Hop. Quelqu'un a balancé une grenade de flash. Bien joué ça. Non. Allez, grenade flash. Est-ce que ça va le toucher? Non, absolument pas. Oh là là. Oh, munition presque épuisée. Oui, j'ai vu ça. Réanimé. Ok, c'est bon. J'ai l'impression que la réanimation des alliés est plus simple après cette mise à jour, ou alors c'était une mise à jour encore précédente. Hop. Vite, on se heal. J'ai raté. Hop. Non, mince. Il y en a un derrière moi, non? Non! Il arrêtait pas de me courir après. Really? Allez. Hop, le heal. Flash! Allez, du boost de force, du boost de vitesse, du boost de ça. Allez, on va prendre nos SMG par contre, hein, cette fois-ci. Alpha Wilds, réanimer. Faut réanimer tout ça. Faut pas se dire, allez, ça va être Kouria qui va la réanimer, puisque sinon ça va être trop long. Par contre, ouais, ces boss ont l'air assez énervés. Hein. Alors, ça va être assez compliqué à affronter. Hein. Bon. Au moins, avec mes mitraillettes, les DPS sont bien meilleurs. Non, t'attaques pas Alpha Waves. Réanimé. Je la réanime. Mais non, que fais-tu? Non. Alpha 6, non. Vas-y, bien joué, Kouria. Et on court, nous on court. Le plus dangereux, c'est ce petit gars-là, quand même. Vite, pose-toi. Le gars en rouge est le plus dangereux. Hop. C'est qui, lui? C'est bleu, je crois. Ok, écarlate. Non, c'est bleu. C'est le rouge. Oh.
Vite. Sauvez-moi. Oh non. Oh non. Terrible, le Hakai écarlate qui a fait tellement mal à Kurea. Et donc, re tout le monde, comme vous pouvez le voir, je vous parle en différé, puisque vous me voyez aussi sur l'écran d'un air totalement concentré et totalement vénère, en effet, puisque ce boss, enfin ces boss, donc, sont extrêmement durs. Surtout pour moi qui suis pas du tout au niveau. Je suis que niveau 98 quand je fais ce combat-là. J'ai refait ce combat 20 fois. Peut-être, je ne comptais même plus le nombre de fois, puisque ils m'ont tellement défoncé. Ils sont très durs, ce que je trouve un petit peu normal. Hein, c'est juste moi qui suis très en retard. Et au moins, c'est un certain challenge. Et quand on les... Il y a une certaine satisfaction, une grosse satisfaction. C'est pas vraiment de mauvais boss, hein. C'est des boss vraiment difficiles. Et c'est un petit peu rageant, puisqu'on n'y arrive pas. Mais je pense que ça reste de bons boss. Donc j'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs je ne savais même pas que dans le je ne me souvenais même plus que dans le DLC on pouvait avoir d'autres partenaires que Kurea et notre Arpha Wibes. Ou ben j'ai gardé Arpha Wibes en coéquipière puisqu'elle a des bonnes stats, vu que c'est mon Arpha 6, et je peux un petit peu maîtriser ses compétences, etc. Mais du coup j'ai mis en support du coup Lisbeth et Tsuki, puisque ils peuvent infliger du poison, de la paralysie aux ennemis. Donc c'est plutôt cool pour nous, Lisbeth peut nous heal un petit peu, je crois. Itsuki peut placer des mines, tout ça. Donc c'est deux bons personnages pour avoir en partenaire. Donc ma stratégie était notamment de battre le Hakai écarlate en premier. C'est plus dangereux, le bleu, le cyan est plus gérable après. Il faut spammer, il faut éviter fortement d'avoir nos partenaires qui meurent. Puisque dès qu'il y en a un qui est KO, il faut essayer de protéger nos alliés et ou alors d'essayer de le réanimer. C'est pour ça que j'utilise une compétence qui me permet d'être invisible. Comme ça, si jamais un de mes alliés est KO, je vais le réanimer. Puisque si on met trop de temps, il y en a un deuxième qui va mourir. Et dès qu'on est plus que deux, c'est pratiquement foutu. C'est très rare que j'ai réussi à m'en sortir en ayant été tout seul ou à deux dans le combat. Puisque clairement on a deux ennemis et dès qu'il n'y a plus que deux cibles, ils se focus sur la même et on est celui qui est focus, il est mort absolument. Du coup en plus mon Arpha 6 utilise énormément de soins. Je lui ai mis tout ce qui est défibrillateur, donc elle peut réanimer de loin. Je lui ai mis la zone de soins ainsi que le soin instantané quand elle tire sur une personne, en fait ça la heal instantanément. Donc voilà, pour qu'on reste assez haut en vie. Moi, dans mes effets, je garde toujours l'effet de force, force 2, et défense 3. La défense 3 est très importante, hein, puisqu'ils font vraiment mal. Et j'étais qu'en normal. J'utilise des balles d'électrification, mais ça marche pas trop bien contre ces boss. Ils sont un petit peu trop balèzes pour se faire électrocuter. Donc à la limite, les mines, des fois, peuvent les bloquer, mais bon, les balles ne passent pas. Et bien sûr, en dernière compétence, j'utilise sur le qui-vive, puisque ça sauve pas mal, Vous mettez sur le qui-vive, et si vous allez sauver un de vos alliés, ça vous permet de survivre un petit coup. Au niveau de mes gadgets, j'ai utilisé la grenade paralysante, puisque c'est très utile. Vous balancez ça sur le Hakai pour qu'il soit stun, et vous pouvez aller sauver un de vos partenaires qui est éventuellement KO, ou voilà, ou juste pour le stun, et du coup vous pouvez le mitrailler. J'utilise l'invisibilité, j'utilise les mines, et j'utilise le kit de soins. Donc une fois que le Hakai écarlate est battu, il ne faut pas se dire « Ah, bah c'est bon, tout va bien, c'est bon, on a gagné ». Non, puisque ça m'est déjà arrivé de battre le Hakai écarlate, et de me faire battre après par le Hakai Cyan. En vrai, je crois qu'il y a un boost sur le Hakai Cyan une fois qu'il est tout seul, puisqu'il fait très très mal. Et surtout quand il arrive dans sa dernière jauge, il peut vous faire des attaques extrêmement chiantes. Genre il peut vous paralyser, donc la paralysie sur ce jeu c'est ce qui me fait le rager le plus, puisque quand on est paralysé, on est par terre pendant genre 15 secondes, ce qui est assez énorme. Donc assez de temps pour se prendre 5 balles et mourir contre ce boss. Voilà, même tout seul, faut pas le sous-estimer, puisque j'ai eu énormément de mal. Et à un moment, j'ai flippé, il ne lui restait plus que la moitié de sa dernière jauge. Vous allez voir ça à un moment. Mais genre, tous mes alliés commençaient à mourir. Je crois qu'ils étaient tous les trois morts. Ou non, je crois qu'on était trois à être morts et il restait plus Lisbeth.
Et Lisbeth a réussi à me réanimer. J'ai réussi à réanimer après. J'ai vraiment eu peur à ce moment. Je me suis dit non, je ne vais pas. Je vais perdre alors qu'il est dans le rouge. Dans le rouge. Mais non, tout s'est bien terminé. Tout est bien qui finit bien. Où j'étais vachement content après. Et on peut du coup passer à la suite de ce DLC numéro 2. Voilà! Voilà! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai bien enregistré? Oui! Oh mon dieu! Ces boss ont été assez infâmes. Oh mon dieu! Les gars, je ne sais pas combien d'essais j'ai fait, mais c'était insane. Bon, normalement, il y aura une voix off, j'aurais tout fait en truc rapide. Non, c'était plus possible. Et là, ça freeze. Et je bug. Et je serais vraiment, vraiment deg. クレハ、大丈夫ですよ。私、そういえばさっき握手しませんでしたね。仲良しの握手をしてください。ちょっと待って。どうしたのですか、クレハ。ねえ、リエーブル。あなた、他にも何か知ってるんじゃないの？え？あなたがさっき言ってた偽物のキリトさんの貢献の話、ちょっと気になって。 私たちがキリトさんと戦って貢献が壊れたのは、あなたと出会う直前だったの。あなたはあれからずっと私たちと一緒にいて、どこかから新しい情報を手に入れた様子はなかった。だから、キリトさんの偽物が貢献を使えないって知っているはずはない。そんなことないですよ。私、皆さんといる間もこっそり情報を集めていたのです。そのくらい朝飯前なのです。 そうね。そうかもしれない。でも、そうだとしても、やっぱり気になるの。あなたの情報網ってどんなものなの？あの後すぐに、貢献が壊れているかどうか見て分かるほど近い距離で、キリトさんの偽物と戦った人がいて、すぐにあなたに情報を提供した。偶然にしては、ちょっとできすぎてる気がするんだけど。クレハ？ ごめんね、姉ちゃん。別にリエーブルをいじめたいわけじゃないの。その何か事情があるなら協力するわ、リエーブル。でもその前にはっきりさせておきたいの。ああ、もうやめた。面倒くさい人ですね。アホシスのマスターのデータが欲しかったんですけど、 こっちへ誘導するのに躍起になりすぎちゃいました。知って？ふう、すっきりした。 優秀なフリューゲルのアファシスである私が、おバカさんの旧型の真似事なんて、ほんと屈辱でした。どういうこと？アファシスは周囲に強プレイヤーが多かったので、そこだけは高評価でしたけど。ま、労力に見合った収穫はありましたしね。キエチュー。誰って、リエーブルですけど。 目の前で変装を解除したじゃないですか。タイプXはマスターも時代遅れなんですか？時代遅れ？そういうことです、アホシスさん。私はタイプ Z。あなた方より上位の権限を持つ新型なんです。ねえ、さっき言ってたマスターのデータって何？言葉で説明したってわからないと思いますけど。ま、 C'est comme la première fois que j'ai rencontré mon Arfasi, je lui transmets les informations de joueur. On va dire la première option. Hola,
皆さん優しすぎですよね。データを読み取られるとも知らずに。あれ、皆さんどうしたんですか。悪いとこですよ、ここ。一体何が目的なの。やっとまともな質問が来ましたね。私の目的ですか。 SBCグロッケをホロボスことです。これがフリューゲルのアファシスの家、フリューゲルの民すべての悲願だったんです。私が眠っている間に、そこのタイプXはもちろん、マザーコンピューターまでもが使命を忘れてしまったみたいですが。二人ともお帰りなさい。新しい武器は見つかりましたか。あ、ヒリトとアスナの偽物なのです。 アスナ、エッテルマンクラス、ラクチュエルモン。リエブル、ここのアップデートが終わったら先に行ってくれ。あなたは他のアファシスたちを目覚めさせなきゃいけないでしょう。あとは私たちに任せて。いやー、このお二人は優秀なので、ほんと助かっちゃいました。反応速度、戦闘時における思考能力、他に比べて明らかにズバ抜けてます。あと、私の観測範囲ではもう一人、あなたの能力も高かったんです。あなたの能力をコピーできなかったのは、ほんと残念でした。プレイヤーの偽物騒動、全部あなたの仕業だったのね。最初の頃はテストも兼ねて過去データから作成してたんですよ、クレハさん。自分の過去のコピーはどうでした。堂々として初々しくて可愛かったですね。 Tu n'as pas besoin de plus de copies pour détruire le Glocken. Je ne pense pas que tes copies suffiront à détruire. Je ne pense pas que tes copies suffiront à détruire le Glocken. Tu veux dire trois petits points, puisque je ne sais pas de quoi il parle. De quoi elle parle. そんなの気づいたらみんな、すぐに止めるわよ。どうでしょうか。あなた方には難しいと思いますよ。各所に散らばるノーコンバットゾーンの装置を迅速に調査、確保し、人員を整えて防衛する。 大規模な協力と連携が必要な作業ですが、この GGO にそんな経験のある方がどれだけいます。ここは苛烈な銃の世界。銃の資源をめぐって相争う弱肉強食の大地、街で殺し合いできるならそれもラッキー、ヤッホーみたいな方も多いのでは。ということで、ここのアップデートは完了です。ではごきげんよう、皆さん。 待ちなさい。行け、リエーブル。頑張ってね。二人ともありがとう。というわけだ。悪いけど、邪魔させるわけにはいかない。いいわ。今度こそ勝つから。 Non? Non! Et ça fait quoi si jamais je perds? Bon, j'espère que... Ouais, j'espère que si je perds, je n'ai pas à réaffronter le boss avant. Alors, on espère ça. Hein. Allez, on pense. Surtout que j'ai plus beaucoup de balles. Ah, ça va, ils m'ont redonné quelques balles de... Ah, de ça. Mais bon, c'est... je trouve que ça va pas être suffisant. Alors, le Kirito. Le Kirito d'abord. Moi, je pensais qu'on allait avoir une cinématique où... Où le vrai Kirito, la vraie Asuna allait arriver, mais apparemment non. It's okay, no! Hop, attendez. On met ça. Hop, on met une petite grenade flash. Bon, il faut se focus sur une seule personne, hein. C'est beaucoup mieux que. Ok. Focus les deux. Au moins, voilà, dès qu'il y en a un qui est mort. Ah, c'est plus facile, c'est ce que c'est la technique du combat précédent. Oh là, voilà, 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 voilà. Hop, on s'éloigne. Qui est mort? Non, c'est bon. Non, Asuna, tu restes loin. Surtout que Asuna, ça doit être un support. Ouais, c'est un support, du coup, elle est heal, Kirito.
terrible. Wow, wow, wow. Ok. Ok, vas-y. Ah, Itsuki! Itsuki, mais portail! Qu'est-ce que tu regardais? Oh là là, c'est bon, on est mort. On est mort. Bon, j'espère qu'il ne faudra pas refaire. Vas-y, vas-y, heal-moi, heal-moi, heal-moi. Oh, quoi? Mais non! Mais je suis réanimé? Non. Non! Non. Oh, ça a bugué du coup! Donc, re les gens, donc, alors. Faut que je vous explique. Faut que je vous explique. Donc, en fait, si on perd contre Asuna et Kirito, on doit recommencer le combat de boss précédent. Du coup, je me suis dit... Non, j'ai déjà eu assez de mal à finir les deux samouraïs d'avant. Genre qui sont assez insane, vraiment. Je ne rigole pas. Vous avez pu voir à quel point j'ai galéré. Non, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu, hein. Puisque genre, j'ai quand même fait une quinzaine... Non, peut-être une vingtaine d'essais pour battre les deux boss. Bon, c'est sans doute parce que je ne suis pas à niveau. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Je ne suis pas à niveau. Mais, bon, je veux dire, je vais avoir... J'ai intérêt à farmer hein, pour faire le prochain DLC, ça c'est sûr. Mais ça du coup, je serai préparé pour la prochaine fois. Et du coup, bah, puisque j'avais pas envie de refaire le jeu, le combat, puisque j'ai... C'est impossible. Enfin, impossible, c'est bien sûr que c'est, puisque j'ai déjà fait. Bon, je me suis dit, bon, allez. Allez, on va passer en difficulté facile. Et là, c'est sûr que les boss sont beaucoup, beaucoup plus faciles à faire. Bon, j'ai quand même eu du mal, ils ont réussi à tuer certains de mes alliés, enfin, je parle des samouraïs, ils ont réussi à tuer de mes alliés certaines fois, mais ça va, on arrivait à... j'ai bien réussi à les gérer. Trop facile, ça va. Bon, du coup, malheureusement, je peux pas repasser à la difficulté normale. Non, puisque si je devais refaire encore 10 essais pour réussir à rebattre les deux samouraïs, bon, bien sûr, il aurait fallu que je farm... Je pense que le mieux aurait été que je farme encore une quinzaine de niveaux avant pour être un minimum bien. Et voilà, donc c'était possible que je rebatte les samouraïs. Mais genre il fallait que je refasse encore le combat contre eux et je c'était pas sûr que je gagne. Mais bon, après que Kirito et Asuna, c'était, je pense, ils sont beaucoup plus simples à battre en vrai, que... Le combat est plus simple, mais c'est juste que au combat précédent, j'avais plus de balles, donc c'était un petit peu gênant. Allez. Ce sont des faux, et on était en difficulté facile. もう計画は進んでる。リエーブルちゃんは私たち以外の軌道も開始してる。コピーとはいえ、キリトとアスナに勝った私たちに怖いものなんてないのです。それはどうかな。どういうことでしょうか。何かもっと違う手を用意しているのかしら。 ただの負け惜しみを言うとは思えないし。どうします？リエーブルを追いかけますか？そうしたいけど、どこに向かったかの手がかりすらない状態じゃ、こんなところで足踏みしてるわけにはいかないのに。リエーブル、リエーブルにはリエーブルのマスターがいるはずです。リエーブルはタイプ Z ではなく、 自分だけの名前を持っていました。アファシスの名前はそのアファシスが認めたマスターからしかもらえません。 Tu penses que le maître de lièvre sait ce qu'il se passe? Point d'interrogation. Est-ce que le maître de lièvre serait derrière tout ça? Je pense que c'est plutôt ça, hein. そんな。リエーブルのマスターが無関係とは思えないのです。だって私たちアファシスはマスターのためのサポートAIですから。どんな時だって マスターのためを思って行動するのです。でも、自分のアファシスにグロッケンを破壊させようとするなんて。皆さん大変です。
Arrête ton lièvre avant qu'il ne soit trop tard. On va protéger le Glocon. On va protéger le Glocon. Peu importe. Découvrez la suite de l'histoire dans le prochain épisode Collapse of Balance, qui verra... mon avis, ça va plutôt sortir... Ça va sortir vachement tard, en vrai. Puisqu'en fait... En fait, les deux personnages qui vont être ajoutés dans ce DLC, on sait déjà lesquels sont, et ils font partie de l'arc Aliciasisation. Non, je suis sûr que c'est pas ça la prononciation. Aliciasisation, bref. Le nouvel arc de la nouvelle saison de Sword Art Online qui sort en octobre. Donc j'imagine quand même que ce DLC devrait sortir assez tard. Hein. En tout cas, je pense août-septembre. Je pense que le troisième DLC sera plutôt en septembre. On verra bien. Donc du coup, si vous voulez rejouer l'histoire depuis le début, vous pouvez appuyer sur A. Et du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez checker mon Utip pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain DLC, quand il sortira bien sûr. Et d'ici là, je farmerai. Allez, bye tout le monde.